Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Overwatch. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va jouer un personnage que vous avez choisi dans l'épisode précédent. Il y avait le choix entre Fatal et Torborn, ou je sais pas comment on le prononce. Eh bien, à la majorité, c'est qui l'emporte? Eh bien, c'est Mademoiselle Fatal. Alors, Fatal, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup visuellement et au niveau des capacités, mais c'est un personnage que j'ai beaucoup de mal à gérer, puisque vous allez voir, c'est un personnage avec lequel on va jouer à distance principalement, puisqu'elle possède un sniper, mais on peut aussi jouer avec une petite mitraillette qui nous permet d'attaquer sur les courtes portées. C'est un personnage qu'on va utiliser principalement sur des phases défensives pour défendre un objectif en trouvant le meilleur spot possible pour essayer de sniper tous nos ennemis. Et juste avant qu'on lance, je voulais voir, est-ce que j'ai pas... Ouais, si, après j'ai quoi? J'ai noir. Je crois noir, il est quand même beau gosse. On va mettre le noir activé. Parfait. Et donc, on va aller voir un petit peu les stats que j'ai avec, avec Mademoiselle Fatal. Avant qu'on lance, on va aller dans carrière. On va faire... c'est dans quoi? Statistique. Fatal. Donc, on a joué 14 parties. On a gagné seulement 5 parties. Donc, ça veut dire que... On a gagné, allez, peut-être, je sais pas, même pas, ouais, déjà c'est sûr, on a même pas fait la moitié de victoire, donc, ouais, 36% de ratio de, ouais, bah, c'était indiqué en dessous, voilà, 36% de pourcentage de victoire avec, ce qui est catastrophique, et du coup, 2 heures de temps de jeu, c'est pas grand chose, et vous allez voir, j'espère vraiment pouvoir vous proposer quelque chose de correct, parce que sinon, je risque d'être un peu triste. Bon, sur ce, on va lancer, je vais leur demander s'ils sont prêts, et ensuite, on est bon. Et la partie a été trouvée, du coup j'espère que c'est pas une partie déjà commencée. Route 66, aïe, je suis vraiment pas fan de cette map. Après, c'est une très bonne map pour Fatal, ceci dit, mais je suis pas forcément fan. En plus, on est en attaque. Alors ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé être en défense pour vous montrer la totalité du potentiel de ce personnage, qu'on peut jouer en attaque aussi, attention, parce que tout à l'heure, je dis ça, mais juste avant, en fait, vous pouvez voir que je suis en escouade avec Monsieur Wizox, Garrett et Nazis, ou je sais pas comment ça se prononce, et en fait, on a déjà fait quelques parties avant, et ça s'est plutôt bien déroulé dans l'ensemble avec ma petite Fatale, il y a eu que des bonnes parties jusque-là, donc j'espère que ça va continuer. Et le skin de mon arme a changé. Alors ça, c'est plutôt cool. J'aime bien un rouge comme ça. Bon, du coup, pour vous présenter le personnage, du coup, au niveau de ses compétences, on va appuyer sur F1. Et donc, on peut voir que le A, qui est notre attaque ultime, en gros, notre compétence ultime, nous permet de donner, on peut considérer ça comme un wallhack, une vision sur tous les ennemis au travers les murs pour toute notre équipe durant un laps de temps. Donc, ça dure pas très très longtemps, peut-être une dizaine de secondes, pas plus. Et c'est un utile qui est très très utile, justement, pour repérer les ennemis. Ensuite, match de gauche, comment ça se passe? C'est un petit grappin, hop, on l'accroche à un mur et ça nous amène dessus, donc c'est plutôt intéressant justement pour pouvoir monter en hauteur, trouver des spots et pouvoir sniper un maximum de personnes. Et ensuite on a le E, qui est une petite mine. Lorsque les ennemis passent dessus, eh bien ça leur donne comme un gaz négatif, quoi, comme du poison qui leur enlève des points de vie. Donc plutôt intéressant aussi pour éliminer les personnages qui ont très très peu de santé. Alors on va passer par là, c'est pas forcément le meilleur des choix possibles. Ah oui, d'accord, ok, en plus je me fais attraper. Ouh, on a eu de la chance qu'il s'est fait tuer par le bastion, hein, parce que sinon j'étais mort. Comme je vous l'ai dit, voilà, ils l'ont déclenché, ils sont passés dessus. Toi, hop, on va t'enlever un petit peu de santé. Il a été éliminé, c'est parfait. Ah, oh, bah toi aussi, coup double. Bon, mais coup double pour commencer, très très bien. On aurait pu faire un coup triple, mais bon, j'ai pas réussi à éliminer la troisième personne. Parce que... Aïe, 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 ok, ok, pardon, pardon, bastion, excuse-moi. J'allais dire, c'est plutôt bien qu'il y ait un bastion en face, puisque avec Fatal, justement, on va pouvoir le décamper, en fait, hein, puisque bastion est un personnage qui est très peu mobile. Donc on va récupérer ça. Ouh, non, non, non. Ah, oh, bah là, je suis mort. Ah, là, je suis un peu mort, là. Ouais, ouais, là, forcément. Là, c'était sûr et certain, la mort était inévitable. Bastion, Mei, Mei qui m'a congelé. En fait, c'est surtout Mei qui m'a tué. Oh, lui, il a mis 30 ans pour se mettre comme ça. Je pense que c'est surtout Mei qui m'a tué, le fait qu'elle m'ait congelé, et du coup... Allez, va-t'en, toi, comme ça, tu es éliminé. On va pouvoir essayer de progresser peut-être un peu sur la map. Ou le bastion. Attention, 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 parce que ça, ça peut faire très très mal. Voilà, donc là, il va me spammer. Il sait que je suis ici. Il va pas se stopper. Le dragon vous consume, c'est avec nous ou contre nous ça? Ok, c'est avec nous. Faut que j'arrive à l'éliminer lui. Oh là là, je suis nul au sniper, je suis nul. Oh là là, il me spamme de bombes. Forcément. Et oh, c'est une mauvaise partie pour le moment. Oh, remarque, je suis en 4-3. Bon, ça va en fait, je pensais que j'étais en 1-3, quelque chose comme ça, donc bon. Ok, très bien, mais c'est des morts que je peux éviter quand même. La sérénité
Ok, il y a une orange derrière qui est en train de... Oh là là, dans notre dos. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce qu'il fait le gros lard chez nous? Qu'est-ce qu'il fait? Comment ça se fait qu'il y a personne qui l'ait vu? C'est quand même Chopper. Chopper, normalement, t'es censé le voir, quoi, quand il est dans ta base. Il est imposant, quoi, mine de rien. Il faut faire avancer ce véhicule. Il faut le faire avancer. Nous n'avons pas le choix. Il faut le faire avancer. Et ouais, mais je peux pas tout seul. Je peux pas. C'est pas mon rôle. Je peux pas. Ok, lui, j'ai pas réussi. Par contre, je crois qu'il y a plus personne sur le point. Et nous avons perdu la partie en moins de 10 minutes. Une humiliation. Alors qu'on est quand même 4. On est censé être 4 en escouade. Et nous n'avons pas réussi à faire quoi que ce soit dans cette partie. On s'est complètement fait rouler dessus. Je termine en 5-5. Donc c'était vraiment une partie de merde. C'est bien ce que je craignais. Voilà, on pouvait pas... Après, avec Fatal, malheureusement, je peux pas faire plus que ce que j'ai fait. Bon, ce fut ma partie la plus pourrie. Donc ça, c'est en face, je suppose. Non, c'était en face ou avec nous? Non, d'accord, c'était avec nous. Mais bon, c'est pas grave. On va mettre un petit vote pour Gareth. Mais comme je disais, ouais, Fatal, en attaque... Vous pesez pas en fait. Je veux dire, c'est pas à moi de faire avancer le véhicule. Je peux pas le faire avec Fatal, c'est complètement impossible. Et je pense qu'on a manqué d'impact justement autour de l'objectif. Un bon Reignard nous aurait permis d'avancer. Honnêtement, je pense qu'un bon Reignard aurait pu faire toute la différence dans cette partie. Malheureusement, c'est pas arrivé. Et on va voir ce qui va se passer sur la prochaine partie. A de suite. Allez, nous sommes de retour du coup. Bon, on espère que cette fois-ci, ça va mieux se passer. On est en défense, on est sur la même map. Hein. Donc j'espère que ça va mieux se passer. Ok, il y a du monde par là, j'ai intérêt à faire attention quand même. Hein, parce que c'est de la Pharah, mine de rien. Voilà. Pharah, ok, Pharah. Bon, je l'ai touché. Hein. Voilà, elle a été éliminée. Monsieur le faucheur, qui va venir m'embêter au corps à corps, bien sûr. Forcément. Oh, 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 ça a touché là, ma mine. Ouh, toi aussi, t'as pris cher. J'ai pas envie d'enlever mon viseur, mais on va pas avoir le choix. Il m'attendait, le salaud, il m'attendait. Oh, oh, oh. Oh que c'était petit, ça. Oh que c'était petit de sa part. Mais c'était bien joué, puisque je vous rappelle que Fatal est un personnage à distance, alors que le faucheur, lui, est à courte distance. Donc là, il a très très bien joué, c'est moi qui a merdé. Clairement, c'est moi qui a merdé. Ok, il y a du monde là-bas. Ok, il y a là... Il va venir au corps à corps, lui. Il va venir au corps à corps. Il faut que je fasse quelque chose là, je peux pas rester face au faucheur. C'est pas possible. À moi de trouver une solution. Je sais pas où il est pour le moment. Je le cherche. La Pharah en face, elle m'a touché. Ok, je t'ai éliminé ma petite Pharah. Okay. Aïe 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 aïe, je prends cher. Oh là là, ils ont déjà atteint le double objectif, super. On recule, on peut rien faire. Est-ce que ça va arriver par là? Je vois que ça tape dur par ici. Ouais, on a touché le Reignard. Ah oui, effectivement, il y a du monde là. Ok, on en a eu un. Attention. Allez, faut lui péter le bouclier, lui. Faut lui péter le bouclier. Oh là 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 là, je l'ai vu, la Pharah. Je l'ai vu, mais c'était déjà trop tard. Elle a bien joué. Encore une fois, elle m'a pris sur les côtés. Et du coup, elle m'a eu. À moi de faire attention, j'ai pas été bon. Mais là, c'est vraiment l'humiliation, hein, ce qu'on est en train de prendre. C'est vraiment l'humiliation, regardez, ils sont tous ici. Je sais que je peux strictement rien faire avec mon personnage. À moi de bien viser, après c'est un Lucio, donc bon, pour aller choper Lucio aussi, c'est pas... C'est chaud, en plus, bon, il a activé son ultime, j'ai pas le choix que de reculer encore, je ne peux pas rester à ce spot. Oh là là, Pharah qui fait un doublé et tout, ça va être l'humiliation. Enfin, je peux pas l'avoir. Ouh, ça bug, ouh là là, faudrait que je désactive le wifi. Ils sont tous ici. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, cours Lily. Oh, oh, il m'a eu à travers le mur. Non, il m'a pas eu à travers le mur. Je suis quasiment persuadé qu'il m'a eu à travers le mur, non? Oh, bah, j'aurais pas le temps de voir, du coup, défaite. Voilà, défaite en moins de 5 minutes, encore une fois. Voilà, on n'a pas pu rivaliser. Ils sont trop forts pour nous. Trop fort pour nous, mais surtout trop fort dans la composition de l'équipe. Parce que je vous le rappelle, Overwatch, c'est pas un jeu qui demande énormément de talent individuel. Mais vraiment pas. C'est surtout un jeu d'équipe et un jeu que tu peux considérer comme un jeu de stratégie dans le sens où chaque personnage a un point fort, mais a aussi un point faible. Et c'est-à-dire que le point faible, il va être trouvé par un autre personnage qui sera...
qui sera capable de contrer le personnage que vous avez. Et bien là, c'est exactement ce qui s'est passé. On avait Chopper, j'ai pas vu exactement l'équipe qu'on avait, mais rien que par le Reinhard qu'ils avaient en attaque, on a strictement rien pu faire. Le Reinhard est indispensable pour ce mode de jeu. Lorsque vous attaquez, c'est indispensable. Ça vous donne pas la victoire, parce que on sait jamais si les mecs en face sont meilleurs, mais moi j'en mets aussi, hein. Depuis tout à l'heure je touche. Attention, attention. Oui, oui, on en a eu un. Alors c'est pas Zarya, je pensais que c'était elle, mais non. Elle a été solide. Elle a été solide. Ah, il y a quelqu'un qui a tenté de prendre le point. Ouh, je pense que celui-là il s'y attendait pas. Il va se dire, attends, attends, comment je suis mort là? Il va se le demander, hein. Toi, je t'ai touché. J'ai mon ultime, donc parfait. On va mettre la petite vision, comme ça on sait où ils sont en temps réel. Bon, par contre, Zarya, tu es légèrement pénible, hein, ma grande. Il va peut-être falloir que j'accélère les choses avec toi. Ouais, c'est Ange qui la soigne derrière. Oui, nice, il vient. Bon, ça va, là ça démarre un peu mieux. Là ça démarre un petit peu mieux. On peut espérer quelque chose. Après, c'est vrai que sur cette map, c'est compliqué dans le sens où il n'y a qu'une entrée, quoi. Donc du coup, si on n'arrive pas à passer ici, ben, on passera nulle part. J'ai mon ultime. Allez, c'est parti. Hein? Qui c'est qui m'a tué? J'avais pas toute ma santé là? Ah, j'ai pas fait attention au niveau de ma santé. J'ai vraiment pas fait attention. Bon, ça va, il y a Ange qui a utilisé son pouvoir pour son ultime, sa capacité ultime pour nous permettre de revenir au champ de bataille. Lucio qui a utilisé son ultime en face, donc là on sait qu'on va pas pouvoir faire grand chose pendant quelques instants. On va monter peut-être. Ah là là, je me suis complètement gouré. Ah là 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 là, j'ai failli lui détruire, ça s'est joué à ça, ça s'est joué à ça. Bon, mais du coup il a fait un doublé, ce petit salaud. Et pour le moment on est en 3-2, on a le plus de dégâts, le plus de victimes et le plus d'élimination aussi, mais bon. 1 minute 49, on n'a pas perdu encore, on n'a pas perdu. On la voit pas avec le Reinhard, il prend trop de place. Oh là là, j'ai complètement raté mon... Bon mais on a perdu. On a perdu, on a perdu, on a perdu, on a perdu encore une fois. Et c'est une nouvelle défaite, malheureusement. En moins de 5 minutes, encore une fois. Encore une fois. On a une équipe qui est extrêmement, mais d'une extrêmement, 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 extrêmement nulle. Là, c'est vraiment une défaite méritée dans le sens où on n'a rien fait. Je n'ai vu personne dépasser voilà, ce mur, si ce n'est Reinhard une fois. C'est tout ce que j'ai vu. Mis à part ça, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est invisible. Mais vraiment invisible. Je finis premier en élimination avec 3 kills quand même. Premier avec 3 kills. Y a pas de heal par là? Bon. Si, y a un heal normalement là, non? Oh là là, Tracer, je cherchais du heal. Eh ouais, mais nous on n'a pas tout ça à chaque fois. Ah, elle attendait là et tout. Waouh, waouh. Comment elle a su que j'arrivais à ce moment-là? Ouais, elle a un casque sur la tête. Waouh, c'est chaud. S'il n'y a pas du MMX300 derrière, je me coupe un bras maintenant. Parce que là, c'est chaud quand même. Le timing parfait, je pense pas que ce soit uniquement du timing. Comment me positionner dans cette game? Ok, ok, ils m'ont envoyé Zarya sur la figure. Waouh. Ouais, tout le monde, pip pip, ouais, pip pip. Bon, ça va, on a fait un doublé, je crois. Doublé, ouais, même pas, un kill. Pff. Ok, mais j'ai tout le monde qui est arrivé d'un coup, j'ai pas compris. J'ai vu que Zarya au départ, je me suis tapé Lucio, Tracer et je ne sais pas qui. Très bien, bon, ben, j'ai pas pu faire grand chose. Je suis obligé de mourir là, je suis obligé, non? Ah non, mais ça va, il y a Ange qui m'a redonné de la santé. Allez, c'est bon, toi t'es morte. Allez, il faut retourner sur le point là. Faut y retourner, bon, malheureusement, j'ai Zarya sur la figure. Je sais pas si je vais pouvoir tenter quoi que ce soit avec elle à côté. La Ange, elle a plus beaucoup de santé. Y'a Zarya aussi. Y'a Zarya aussi, mais Zarya, je lui fais 0 dégâts. Et vraiment 0,0. Donc bon, ça sert à rien que je la focus. Allez, mitraillette, Lilian, mitraillette, mitraillette. Elle a plus son bouclier. Elle est vulnérable. Elle est vulnérable, elle a plus son bouclier. Ah là 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 là, je t'élimine. C'est bon, je l'ai éliminé. Ça va, ça se passe bien. Faut que ça continue. Là, y'a un mec. Y'a le soldat là. Est-ce que le soldat, il va vouloir descendre ou pas? Touché. Touche. Oh, mais c'est bon, il s'est fait éliminer. Mais on s'en sort mieux que tout à l'heure déjà, là. Ok, il a mis son ultime. Bon, après, il n'a pas choisi le meilleur des timings. Oh, remarque, il y a Genji. Remarque, il y a Genji. Donc. Allez, hop, c'est bon. Au revoir, Genji. Monsieur Lucio. Monsieur Lucio, tu n'as pas payé l'addition, monsieur Lucio. Attention à l'ultime de Hanzo.
Nice ça, série de 5 victimes. Oh lolo, l'exploit. C'est vraiment l'exploit dans cette partie, hein. La série de 5 victimes. Et c'est la victoire enfin. Oh, oh, oh. Après 4 ou 5 défaites sévères, on arrive enfin à faire une victoire. Et en plus, on n'avait pas de tank. Eh ben, dis donc, on a fait du 6-2. Bon, j'ai que 2 médailles en argent, ce qui est pas fameux. Mais bon, ça reste une victoire. 6-2, ça reste un bon ratio, même si le ratio, faut pas forcément regarder ça dans Overwatch. Mais c'est toujours intéressant. Turborn, triple kill à la tourelle. Ouais, triple kill à la tourelle, ça va, sans pression. Triple kill à la tourelle. Bon, est-ce qu'on lui met un plus? Allez, on lui met son petit plus. Et puis, on se retrouve pour la prochaine partie. Je croise les doigts pour que ce soit une nouvelle victoire. Qu'on se quitte dans la victoire et non pas dans la défaite sévère comme tout à l'heure. Parce que c'est triste, quoi. C'est pas beau à voir, en plus. Faut pas aller là-dedans, hein, faut pas aller là-dedans. Voilà, faut péter d'abord tout ce qu'il y a. Parce que s'il mettra à installer des pièges de partout. Très bien, Enzo, très bien. Il m'a mis juste une flèche, je suis mort. Ouais, il s'est gavé, quoi. Il avait bien chargé, je pense. Ah oui, d'accord, il nous avait déjà dans la ligne de mire. Monsieur Zignata, poum. Allez hop, tu dégages. Attention à monsieur Enzo. Ah merde, oh, je me suis trompé de touche. Quoi, il m'a touché comment, lui? Allez, hey, toi, t'es éliminé. Oh non, Ange, t'as pas le droit. T'as pas le droit, Ange. Ça va me tomber dessus, je sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Ouais, lui, il a plus de vie, là. Ah, on n'a pas réussi à l'éliminer, c'est pas beau. Toi, tu m'embêtes, toi. Toi, je t'ai déjà éliminé 2 fois, alors fais pas le cacou. On va mettre la petite vision. Oui, Ange, tu es morte. Par contre, j'ai plus beaucoup de santé, donc attention. Allez, Anzo, Anzo. Ah, j'arrive pas à l'avoir. Non, si j'arrive pas à l'éliminer comme ça, c'est chaud quand même. Ils sont tous en train d'essayer de m'avoir. Ils sont tous en train d'essayer de m'avoir à longue distance là-bas. Je m'en sors plutôt bien. Ok, il y en a un là, il y en a un. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oh, 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 oh. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il est arrivé sur mon viseur, du coup, je l'ai pas vu. Ah ouais, il a escaladé. Effectivement, il y en a parmi vous qui m'ont donné ce conseil parce que c'est vrai que j'ai fait une vidéo avec Enzo et je ne savais pas qu'on pouvait courir sur les murs comme avec Genji et du coup, ça aurait pu être utile. Mais là, ouais, il a bien joué. Il a bien joué, du coup. On va sniper ceux qui arrivent. Là, il y a un petit Genji. Hop, bon, il a plus trop de santé. Il est mort, d'ailleurs. Il est mort, ce petit cochon. On capture le point et du coup, on va pouvoir passer à la deuxième plateforme à récupérer. Alors, attention, heureusement. Touché. Ouh, toi, je t'ai encore touché, mais je vais pas réussir à t'éliminer. Non, m'amenez pas Reignard sur la figure, s'il vous plaît. Ça serait cool. On l'élimine, parfait. Le faucheur, pareil, c'est une élimination. Toi, t'es éliminé. Hop, attention, 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 monsieur le faucheur. Ah non, mais il y a Reignard derrière, on l'a oublié. C'est vrai que ça l'a réanimé, il a fait un triple. Oh, 4. Il a fait 4 kills, un quadruplé, quoi. Wow. Action de la partie pour lui. Action de la partie pour lui. Oui, toi t'es mort, toi. Ça t'apprendra à faire le malin depuis tout à l'heure, là. Petit salopard. Ah oh, ouais, d'accord. Bon, si ça utilise des trucs comme ça, ok, très bien. Allez, la petite ange, c'est bon. Allez, on va sur le point, là. On s'en fout, là. Là, on s'en fout, là. Allez, nice. On met ça. Où elle va, où elle va, où elle va, elle. Où est-ce que tu vas? Se planquer par là, hein. Ah non, 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 pas toi. Ok, c'est bon. Ça va, le Torborn va arriver là-bas. Élimination. Oh là 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 là, on est chaud. On est chaud. Et c'est la victoire. Bien joué l'équipe, là, bien joué. Et là, j'ai fait du 16-4. 16-4, 5000 de dégâts, bon, 3ème, mais 16-4 quand même. Donc c'est pas mal du tout, là. On a fait une bonne partie dans l'ensemble. Et action de la partie pour Ange. Eh oui, en fait, non, c'est même pas Reignard qui a fait... Enfin, tout à l'heure, il a fait 4 kills, mais c'est surtout... elle qui lui a permis de revenir à la vie et derrière au Reignard de pouvoir faire 4 kills. Il les a pas fait par lui-même en fait, il les a fait grâce à Ange qui l'a réanimé. Donc on peut dire que Ange, la Ange d'en face, elle mérite son action de la partie. On va mettre ça à qui? Allez, par ici, Nazis. Épique pour Ange, ça me paraît logique. Non mais là ça va, c'était une bonne partie et du coup eh bien, on va pouvoir se quitter dans la victoire. Et ça, ça fait plaisir. Alors avant qu'on se quitte quand même. Avant qu'on se quitte, au revoir Nézil. Avant qu'on se quitte, on a un petit coffre. Est-ce qu'on pourrait faire péter un légendaire comme sur ma toute première vidéo sur Overwatch où on avait eu le Reignard légendaire? Allez. Eh ben non, du caca. Du caca, Winston, bon. Pff.
Rien de folichon, hein, dis donc, rien de folichon. Bon, ben très bien. Ben écoutez, on va terminer cette vidéo sur Overwatch avec Fatal par ici. J'espère que vous l'avez apprécié. Avant qu'on se quitte, n'oubliez pas que vous pouvez voter dans la description de la vidéo le premier lien pour le prochain personnage qu'on utilisera. Donc je sais pas encore quel personnage je vais vous mettre. Je sais pas encore. Vous découvrirez ça dans le vote, d'accord? Et puis, n'oubliez pas bien sûr de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat et Instagram. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Si vous avez des conseils, astuces ou autres, dans l'espace commentaire sous la vidéo. On se laisse ici. Merci à tous, amusez-vous bien, portez-vous bien. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur Overwatch. Au revoir tout le monde!